Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambu ya tenye wa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Louele, 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 Jésus. Des rois, louez-les, 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 Jésus. Dernière fois, alléluia, 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 Jésus, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Mengla na masando boria la mayende bende dia la maya. Mende re 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 Ilia la mayo mama 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 roba sande balatu barate balatu bandeye 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 to kumisio to neto lio to sanjo lio to topo lio obokina lokumu masoprade baburato bayande Ilia la mayande berebe shirabaya Egala basori mama rande re 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 Egalo masala baya toboshi da balata boshi mbedia Eklano mama mama ratu ere babo shala mayato bayate bayato bayande hallelujah glory to God hallelujah
Erosa barato barate yade. Bengalo masando baratadu. Egalo bashala bayatobo. Shandebe, shandebe, shandebe. Hallelujah. 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 In Jesus' name. Bien-aimé, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous dis bon dimanche au nom de Jésus. Ce matin, on est ici encore pour s'aiguiser. Surtout comme nous devons respecter les autorités pour notre bien. C'est pour notre bien qu'on reste à la maison, chacun de nous, pour ne pas propager cette pandémie diabolique. Mais je suis ici ce matin pour aiguiser votre foi selon la parole de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et un homme spirituel voit des choses de langue spirituelle. C'est notre devoir d'encourager votre foi, surtout à cette période ici. Dernièrement, dans notre émission vendredi, nous avons parlé de deux choses. À ce qui concerne cette pandémie, nous avons parlé de deux choses. Premier point, n'ayez pas peur. Ne crains pas. Parce que la parole de Dieu nous a dit, selon Job 3, 25, Esaïe 8, 12, ce qu'un homme craint va lui arriver. La loi spirituelle dit ceci: n'ayez pas peur. Pourquoi? Et l'okomotu azo banga, c'est qu'un homme craint, c'est tout à fait normal. Et ça normal. Et que comme il est, cette chose va lui dominer. Va lui dominer. Tout en acquérant qu'on a Job 3, 25. Nous l'avions lu dans Job 3, 25. Pour nous, pour la nuit, sauter vendredi, pour la cette dimanche ici. Pour ceux qui n'avaient pas suivi les vendredis, suivez aujourd'hui dimanche. Esaïe 8, verset 12. Esaïe 8, 12. À l'obéir. La parole de Dieu dit: to banga te oyo bango bazo banga. Ne craignons pas leur crainte. Alléluia. Amen. Parce que ko banga eza molimo. La peur est esprit. Et le komoto a bangaka, ce qu'un homme craint, et ko domine ye, le dominera. Et n'oublie pas que et n'oublie pas que la peur vient par ce que tu entends. De même, la foi vient par ce que tu entends. Observez un peu. Peur. Les deux sont fonction de ce que vous entendez. Et nous, nous prêchons la parole de la foi. Et puis, nous sommes tous. Oui. C'est normal qu'on doit respecter tous les principes là d'hygiène. Mais dans tout cela, Dieu est en train de nous dire: n'ayez pas peur. Jésus a dit dans Matthieu 24: toutes ces choses, il y a bien en pestilence. Il y a bien en peste. La peste. Voilà, en anglais pestilence, mais en français peste. Alors, ça doit arriver. Toutes ces choses, et Seigneur, il y a comment? Mais ce n'est que les commencements. Parce que ça, il y a des pas si. Ne soyez pas troublés. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Yesu yemo konde lo bibongo. Dans Matthieu 24. Donc, livre de Matthieu 24. Verset 6. Au verset 6. C'est le moment d'encourager notre foi. Et Zali Ngonga ya kolendi sa kondi manabiso. Tous à la paniquer. Que nous ne soyons pas paniqués.
Il n'y a rien de nouveau dans ces mots. Mais avec Dieu, nous sommes des vainqueurs. Alléluia. Amen. Parce que nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Je crois et c'est pour cela que je parle. Alléluia. Amen. L'évangile, la parole de Dieu. Azana mot a dit na nyoso peste ezoleka na mokilile. Yango ezana esika na ngo ya koloba na makambo ezoleka. Bokonzi Yesu alobi oyo ezaka ka ebandeli. Et il a dit que ce n'est que le commencement. Mais alobi ne soyez pas troublés. Yalobi bobangate. Tu vois? Omoni. Moi je suis ce que Christ a dit. Alobi, ne soyez pas troublés. Alobi, eloke tungisa. Pourquoi il a dit ça? Pounani, alobi, bongo. Dans sa parole. Na katia li loba na ye. Même théologien ou ba yebi Bible ba tangi Genèse Apocalypse ba lobi ango, il y a 365 fois des mots, des phrases qui dit n'ayez pas peur, ne crains pas. So, dans tout cela, tu respectes, mais nazo yebisa yo population mutu azo yanga balandio so ko bangate parce que dès que ozo banga eloko ofungoli porte na eloko wana et domine vie na yo. Et malgré que nous devons respecter les autorités, mais j'aimerais te dire, toi qui ne suis partout tu es, ne crains pas parce que dès que tu crains, cette chose va te dominer. Ça c'est la loi spirituelle. Wana za miango ya molimo. Et le spirituel contrôle le physique. Bo molimo ndezo kamba o ya. Le surnaturel contrôle le naturel. Surnaturel ya mozo kamba naturel. Monde o yo physique et botamique ou ta monde spirituel. Ce monde physique est né du monde spirituel. Et na ligne naïve, c'est que le monde spirituel est zana domination contrôle le couleur monde physique. Et j'aimerais te dire que le monde spirituel domine le monde physique. Et toutes ces choses, ce sont des choses qui viennent du monde ténèbre. Et ça, ma kamoti na molili. Deuxième chose, j'ai mis balai. Nous avons parlé de reconnaître notre position en Christ Jésus. Le bela qui n'atti na koye ma position na miso kati na Christ Jésus. Dernièrement, j'ai parlé vendredi, on a parlé. Vendredi, tu l'obéis à qui? À ce qui concerne que tu es un esprit. Ce n'est pas moi qui a dit ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit ça. Dans Jean chapitre 6, Jean chapitre 3, verset 6, alobi, à partir de verset 3 à 6, alobi, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et dans Jean 3, il a dit, oh, abotami na moto, azaka ka moto. Question abotami na molimo, ye asa molimo. Et Jean 4, verset 24, alobi, Dieu est esprit. Et dans Jean 4, alobi, nzambe asa molimo. Et celui qui doit l'adorer en esprit et en vérité. Et oh, esengeli angumba mele, angumba mele na molimo pe na boso. To botami na nzambe. Nous sommes nés de Dieu. Ko botama ya mibale o botami na nzambe. La nouvelle naissance, vous êtes nés de Dieu. Nzambe asa molimo. Dieu est esprit. Oza molimo na kati ya nzoto. Dieu est esprit dans un corps. Ye moko nzambe oyo to bengi Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous, a wuti esprit a koti na nzoto, a tamboli na mokili oyo, mais a défié loi de nature à longa qui et l'okumorote comme il est alobi le œuvre que j'ai fait vous aussi vous ferez même plus grand que ça. Et lui-même le Dieu tout puissant il a revêtu cette chair, nous l'avons appelé Emmanuel, il a eu cette chair mais il a défié toute loi pe alobi makambo ngana salibino boko sala kutu koleka oyo esprit molimo Dieu Zambe. À la tisoto. Il a pris cette chair. Lélo. Aujourd'hui. A commis ce bas milimo. Il a fait de nous des esprits. Nous sommes des esprits. Dosa milimo. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Première naissance na yo. Ta première naissance, tu es né de tes. Deuxième naissance. La deuxième. Zambe. Tu es né de Dieu. Zambe aza molimo. Dieu est esprit. Il y a des choses et qu'on peut affecter mon monde. Mais mon adengi zambi alobi ozali, ngaiti alobi ozamolimo. Dima ke ozamolimo. Et molimo a koko bela et loko wanate et qu'on peut affecter. Tu dois considérer ce que Dieu a dit que tu es. Cette chose ne peut pas affecter un esprit. Crois que tu es esprit. C'est le moment. Bonga yangoyo. Identité na biso. Que nous affichions notre identité. Toi yé ba position na biso. Que nous sachions quelle est notre position. En tant que ba esprit. En tant que esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons tellement na position parce que nous avons été pendant 2 semaines sous cette position. Reconnaître votre position. Quand
quelqu'un est né de nouveau, la parole de Dieu nous a dit dans Corinthiens, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, nouveau est là. Et na Corinthiens le malatin me le bien abisso, ce qui moto a botami yasika, ma cambonion soya kala esleki a komi moto yasika. Alléluia. Amen. A quoi moto yasika? So, il faut reconnaître une nouvelle position en Christ Jésus. Tu dois reconnaître une nouvelle position quand tu es en Christ Jésus. Il y a beaucoup de choses à parler à ce sujet. Parce que ce qui est au miyebi, si tu te connais, et ça déjà victoire pour nous. Ce serait gagné d'avance pour toi. Daniel Alobinini. Dans le livre de Daniel. Alors, ceux qui connaîtront les dieux seront forts et faisaient des exploits. Tout est possible avec Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. C'est le temps de manifester notre croyance en Jésus Christ. Je suis ici pour dire à quelqu'un, oui, la pandémie est là, mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Je prie que tu en fasses partie. Parce qu'on ne peut pas arrêter l'accomplissement prophétique. C'est déjà prophétisé que toutes ces choses vont s'arriver. Jésus a dit ça. Mais on peut prier pour épanouissement total. Et c'est ça ma prière. Toi qui me suis, ayant à gauche à droite, tu ne seras pas atteint. Quoi qu'il arrive à gauche à droite, aussi au nom de Jésus. Bien aimé, en parlant de notre position en Christ, est-ce que vous avez que la Bible nous a dit, sais-tu que vous êtes le temple de qui? De Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Alors, que nous sommes le temple des maladies. De quoi que ce soit, il faut reconnaître une nouvelle position. Tu dois reconnaître ta nouvelle position. Que nous autres, et Sika, avant de capter son esprit, c'est sa demeure dans le ciel à mon limonaï. L'esprit nous soit à quoi vendre. Aucun autre esprit ne peut y demeurer. Voilà pourquoi l'obi okoye ba solo oyo yebinde kokangola. Il a dit, tu connaîtras la vérité, cette vérité te dira. Voilà pourquoi il a dit, mon peuple sont détruits. Mon peuple, yokana nous dit, mon peuple, allez mon peuple sont détruits. Faut de la connaissance. Aujourd'hui, elle est guérie. À l'instant, ça va changer. Tout a changé. Bien-aimé, l'heure de prouver la foi a sonné. Dans l'objet que vous pouvez tempter Satan, respectez tous les conditions d'hygiénique ou hygiène ou bien que vous pouvez en gonner. Mais, dans le bas, vous pouvez en gâter et de deux. Yeba qui tu es aux temples ya Zambé. Je t'envoie pas d'aller tenter le diable. Respecte toutes les conditions d'hygiène, mais sache que tu es Dieu, n'aie pas peur. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Toutes ces choses sont écrites pour nous servir. Bon avosala. Attends qu'exemple. Nakisa pour la Bible. Toutes ces choses. Makambo nyoso. Toutes ces choses. Nyoso. Alléluia. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Version David. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de qui? De Dieu. Il n'a pas dit que. C'est une rappel. Il nous rappelle. Sache que tu es le temple de Dieu. Aux temple de maladie. Tu n'es pas le temple de maladie. Paul n'y a commis. C'est Paul qui a écrit.
Nyoka vipère a soaké Paul. Une vipère avait mordu Paul. Normalement, bah, tu vas koufa à l'instant, dans quelques temps. Normalement, dans quelques minutes. Parce que c'est la Paul à koufa. On attendait la mort de Paul. Il a secoué la vipère. Nakatiel, nyamoto. Il a jeté dans le feu. A continué que cela m'a commandé. Il a continué à faire. Parce que Paul avait un esprit supérieur. Parce que Paul avait un esprit supérieur. Avait une connaissance supérieure. Il avait la connaissance supérieure. On attendait sa mort, mais il n'est pas mort. De même, à ce temps ici, je prie, ce qui arrive au monde ne t'arrivera pas. Au nom de Jésus. Après, on a dit, ils attendaient. Mais il n'est pas mort. Vipère. La vipère. Reconnaître. Alors, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il n'a pas dit que vous êtes le temple des maladies et des virus. Là où habite Dieu, pas son esprit. Bien aimé. J'ai une bonne nouvelle. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Zambe na biso za moto oyo tumba ka. E balobi eloko oyo elingi moto te. Et on dit que ce virus ne supporte pas le feu. Et nazana feu dévorant na kati na ngai. Et j'ai le feu dévorant en moi. Dieu habite à moi par son esprit. Zamba zofa na kati. Le feu dévorant habite à moi. Azali moto oyo tumba ka plasté. Ce virus n'a pas de place. Okay, azana plasté na vinay. J'aimerais te dire qu'il n'a pas de place. Na zolo ba kobanga eloko mwa. Voilà pourquoi je te dis, ne crains rien. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nani akotele me na biso? Paul a lobi. Paul a dit. Verset 16. Ne savez-vous pas que oyebite ete vous êtes bozali le temple de Dieu. Tempelo ya Nzambe. Et que ete l'esprit de Dieu. Molimo na Nzambe. Habite en vous. Asofa na kati na bino. Zomona. Voyez. Ce sont des révélations de notre nouvelle position. N'oublie pas que lui-même nous a dit, mon peuple sont détruits faute de la connaissance. Mais tant que commis, mais quand tu te connais, tu feras des espoirs. Daniel le dit, ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts et faisait des espoirs. Et Daniel a dit, oh, bah, ben, zambé, là, bah, bah, kosa, la, ma, kasi, pe, bah, kosa, la, ma, kamo, mine, c'est le temps. Donc, a, yango, yo. De mettre en pratique. Ya, ko, tchana, mo, sala. Toutes les paroles et les promesses de Dieu à ceux qui nous concernent. Maloba, nyonso, pe, malako, nyonso, ya, nzambé, na, o, et, tali, miso. Jésus a dit, Yesu, a, lobi, l'œuvre que je fais, vous aussi, vous le ferez. Et plus grand que ça. Amen. D'ailleurs, je vais vous dire, les enfants de Dieu, c'est le temps d'évangéliser le monde. Parce que c'est à ce moment qu'ils vont écouter l'évangile. J'ai prié pour un autre. D'ailleurs, des mes frères. Un étranger qui a contaminé. J'ai prié pour lui. Et il répond amen, 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 amen. C'est le temps d'évangéliser. Pour monter au monde que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Nous sommes le temple de Dieu. C'est le moment de déclarer votre foi. Je suis le temple de Dieu. Je ne suis pas le temple de corona. Je ne suis pas le temple de virus. Je suis le temple de Dieu. Là où réside Dieu. Par son esprit. Et la Bible nous a dit, notre Dieu, c'est un feu dévorant. Amen. Là où il y a le feu. Et là où il y a le feu. Cette chose ne peut c'est pas c'est comme demeurer. Ça on doit réfléchir. Même parole de Dieu m'a dit. Dans Proverbe 23 verset 7. Comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Voilà pourquoi il ne faut pas tout le temps, tout le monde, même les chrétiens, papa, papa, corona, corona. Non, non. C'est le temps de parler la parole. C'est le temps de déclarer la parole. C'est le temps de réfléchir dans la parole. Parce que ce que tu attends, toi, soit ça te donne la foi ou la peur.
C'est le moment d'écouter plus la parole de Dieu, ce que ton Dieu dit à tout ce qui se passe maintenant dans notre temps. Si les feux devront habiter en moi, cancer ne peut pas rester là, virus ne peut pas rester là. Je suis mon insecte. Baba na koya pisika moto ezali. Non, non. Notre Dieu, c'est un feu devant. Et comment mina Hébreu que nous tangango. Hébreu 12, verset 24. C'est dans Hébreu 12, verset 24. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Zame la biche, sa moto et tumba kapenta. Osana moto na kati na yo. Tu as le feu en toi. Et loko mokote. Et koki ko vanda na zoto wana. Rien ne peut rester dans ce corps. Alléluia. Amen. Hébreu 12, verset 29. Tanga ponanga, s'il te plaît. Hébreu 12, verset 29, version Darby. Car aussi, notre Dieu est un feu consumant. Pas été. On n'a pas dit été. On a dit et. Jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Dis-le-le. Et Paul nous a dit, vous êtes le temple de ces dieux-là. Il habite en toi par son esprit. Tu as le feu en toi. La délivrance va démontrer. Non, ne m'approche pas. Moto. C'est lui qui envoie. Amen. À moi. Le feu dévorant en toi. Sache que tu es un Dieu qui appelle feu dévorant Katina yo. Et déclarer ça. Déclarer qu'on est manaï. Médite sur cela. Réfléchis sur cela. Pas sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Pour amener la peur en toi. Lingala. Verset 29. Pamba ten zambe na biso azali lokola moto oyo ezikisaka nyonso. Ezikisaka nyonso papa. Yonso balobi kelke yonso. Na sambeli avoye ya pembeni na yo moto ya zambe wana na kati na yo e consumi yango. Amen. E tumba yango. Amen. Na kombo na Yesu Masihi. Amen. So to kena makumi obomona. C'est le temps de réfléchir dans la parole. C'est le temps de méditer dans la parole. C'est le temps de consulter ce que votre Dieu a dit. Écoute-moi, c'est lui le créateur de ce monde. Le ciel et la terre et tout ce qui est dedans appartient à Dieu. Je te dis, bien-aimé, Dieu a un mot à te dire à ce moment de crise. Il est souverain. Va l'écouter. N'écoute pas le monde, écoute ton Dieu. Et tu seras préservé. Toutes ces plaies sont arrivées en Égypte. Et salamina Égypte. Et c'était arrivé mon limon à l'Iwa et côte au Yézé esprit de mort et côte dans Mboka. L'esprit de mort était entré dans le pays et Bomi battu. Et cela avait dit n'a parlé des rois jusqu'au palais du roi. Mais attends, d'accord, mon côté à Bana Israël, aucune maison des Israélites. C'est là où on doit tirer notre référence. Wanande Sengili total. Mon côté à Koufi. Aucun n'était mort du peuple israélien. Et cela mina mokilio. Et cela était fait sur cette terre. Et 1 Corinthiens 10, 11 à l'obi, toutes ces choses sont arrivées, sont écrites pour nous servir en tant qu'exemple à nous qui est dans le fin du temps. Et dans 1 Corinthiens, Paul a l'obi, nous sommes salemaka pour nous causer l'andakisa et pour nous biso tomoni tango asuka. Mon tout est à Koufi. Aucun n'était mort. Dans les sangas, dans la famille Abana Israël. Dans toutes les familles des Israélites. Les ténèbres avaient couvert le pays. Mais à Goshen, il y avait la lumière. C'est Dieu-là n'a pas encore changé. Lui-même a dit dans Hébreu 13. Il a dit dans Hébreu 13, 8, verset 8. Je suis le même. Hier. Aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Il ne change pas. Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu peux
accrocher ta foi en lui. À ces moments difficiles. Et il va te préserver. Je ne suis pas ici pour venir prêcher la paix. Non. L'évangile, ce n'est pas la prédication de la paix. L'évangile, c'est la prédication de la foi. Amen. Samuel, un Corinthiens 10, 11 nous a clairement dit, Yosu et Komami, vous servez biso à tant que indakisa. Nous, Oyotoye na tango ya suka. Et un Corinthien nous montre que toutes ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple, nous qui avons vu la fin des temps. Si Dieu les épargne, il nous épargnera aujourd'hui. À l'Égypte présente. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu m'a envoyé te dire, ne crains pas. Kobanga, ne pas la peur. Toi, et l'homme est Zayabiso. Tout à l'heure, somme, non entier. Voyons dans le livre de Psaume. Zandazana mot a dit. Dieu a un mot. La situation dans toute situation dans ce monde. Jésus nous a pris. La Bible dit. Il a pris tous nos maladies. Toutes nos maladies. Passé, présent, futur. Il a pris tout. Il a cloué ça à la croix. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 91, à partir du verset 1er. Version Darby. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance. Oui, il est ma confiance. Mon lieu fort. Mon lieu fort. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Je me confierai en lui. C'est ça. Malgré tout ce que tu fais là, confie-toi à Dieu. C'est dans l'air. Tu vas enlever le masque, tu vas boucher. Tu vas enlever le masque pour te laver. Tout cela on déjà prophétisé. C'est le temps de mettre notre foi en ligne, parce que il a dit les justes dans la Bible, les justes vivra par sa foi. Et l'autre vivre. C'est en quoi tu crois, c'est ce que tu vivras. Qui te soit fait selon tu as cru. Et ça, les mélanges, la génération yoso. Dans cette toute génération. Il y a des exemptions. Les anabatos bataille ma capembe. Et naïko kotsayo na kati a liste ya batu oyo baza exempté. Je viens écrire ton nom sur la liste de ceux qui sont exemptés. Et qu'on tombe à gauche à droite et qu'on comme la yoté. Ça tombera à gauche à droite. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Somme 91. Continue. Verset 3. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur. De la peste calamiteuse. Ok. Il te délivrera de quoi? La peste calamiteuse. Oyo bazo bloba o pandémie ko ezanini. Peste calamiteuse. La parole de Dieu a un mot à dire dans toute situation. Le banzambe ezane sika na ngona makambo nyo. Voilà pourquoi on doit consulter sa parole. De la tienne esengeli totale li lobana. C'est lui le créateur. Yende mokeli. Il te délivrera du piège le soileur de la peste calamiteuse. Calamiteuse. On doit consulter ce que Dieu a dit dans sa parole. Ne pas avoir peur. Nous avons déjà un témoignage à quelqu'un qui est guéri. Tu vas suivre ça. J'aimerais si c'est possible qu'on donne le numéro de cette maman. Et nous pouvons même donner son numéro, vous allez l'appeler pour voir si c'est du mensonge. Alléluia. Amen. Confirmé. À l'instant. Nambala moko. À l'instant. Nambala moko. Mabo shika pala tabayate kebelede. Alama shusa paya neme kede kelebo. Amen. Siko bako yana mutu azo bela paya Yesu Yesu alobi no kende. Kukota mnengate. No, il faut Yesu assemble la gangula ye. Et il nous a envoyé de faire de même to œuvre. Il faut mieux qui tu es. Tu dois savoir, yo zanani.
C'est facile de tenir devant le micro. C'est autre chose de parler devant le micro. Mais c'est autre chose de vivre ce que tu es en train de dire. Parce que toi, alors, car il te délivrera des pièges de l'oiseau, de la peste calamitos. S'il te plaît. Merci. Yahweh a kolongola yo na mitambu oyo batiela kayo. Pena maladi oyo ebomaka. Pena maladi oyo ebomaka. Yahweh akosala nini? A kolongola yo. Na sambeli olongwe na lisi ya batu nyoso. Oyo maladi oyo ebomaka ebomaka. Yo kozala kuna te na kombo na Yesu Masiya. Amen. Yahweh a kolongola yo. Ayebi makombo yo ekosalema. Il sait que ces choses vont arriver. Yo tanga makombo alobi ye moko. Nous lisons dans Matthieu 24, il avait dit ça. Dans Matthieu 24, à verset 6. Donc, il y a un Romain qui habite à gauche, à droite. Des bestes, il y a des calamiteuses. Mais ne soyez pas troublés. Ce n'est que le commencement. Vous entendrez parler de diverses choses, des bestes, mais. La passion se meurt. Alors, car c'est lui qui te délivre du filet des oiseaux, de la peste et du fléau. De la peste et du fléau. Fléau et bandit les lotés. Et il y a une génération. C'est ce qui me concerne. Je viens te dire que tu es sur cette liste d'épargne. Continuez, verset 5-6. Oui. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu auras un refuge. Voilà. Sa vérité sera ton bouclier. Oyoki. C'est pour cela qu'on doit consulter sa vérité, sa parole. Parce que yoka, oui. C'est trop. Et le kozo yoka écoute sa bankobanga. Mais le komusuzo yoka écoute sa kondima. Et na kondimande to longaka. Alors, c'est ici la victoire qui vaincre la mort. Notre foi. Amen. Kondimande ezo longa mokili oyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La place où nous sommes, il faut battre le coin dans le mot. Température, ils ont toujours normal. Battre le mot, on a beau être, on a beau être. Merci. Problème, c'est que, mais, en croyance, n'angaï, et qu'on quitte, qu'on a pémé, n'angaï, t'es. Amen. C'est impossible. Et qu'on quitte, qu'on salema. C'est impossible. C'est impossible. Bien aimé. Olingami. On parle pas de Dieu théorique, on parle de Dieu pratique. Dieu qui est réel et plus que réel. Et c'est lui l'auteur de la création. Alléluia. Continuez. Verset 5. Oui. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit. Tu n'auras pas peur. Nani alobito bangate. Zambe. Mokeli. Il savait que si tu as peur, cela te domine. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour. 6. De la peste qui marche dans les ténèbres. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit. La nuit, hein? Ni de la flèche qui vole de jour. Ayebike. Il y a jour pesa, il y a boutou ezali. Mais yonso, ezala boutou ezala moi, kobangate. N'est pas peur. Et absoukisi verset 6, de la peste qui marche dans le ténèbre. Pour nous dire que cette peste ici, cette fléau, ça vient du monde des ténèbres. Et outina mokilia molili. 6. Verset 6, version anglais facile. Ne soyez pas effrayés de 1. Mauvais esprit de la nuit. 2. Les flèches qui volent en plein jour. 3. Les épidémies qui viennent des ténèbres. Quelle version, papa? Version anglais facile. Répétez mon kilibayoka. Ne soyez pas effrayés. 1. Des mauvais esprits dans la nuit. 2. Des flèches qui volent le jour. 3. Des épidémies qui viennent des ténèbres. Des épidémies sont pas épidémies.
monde de ténèbres. Et je suis ici pour te dire, Yesu alobi, vous êtes la lumière du monde, du ciel. Aussi longtemps que tu es dans ce monde, vous êtes la lumière. Amen. Lumière. Et l'okoyo se outi na ténèbres. Et koko longa lumière te. Amen. Lumière as a maître ya ténèbres. La lumière est maître des ténèbres. Les ténèbres ne veulent pas dominer la lumière. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 9. Jésus est mort dans Jean 9. Tanga yango. Alléluia. Aussi longtemps que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Surtout dans Jean 9, verset 5. Si on lit dans Jean 9, 5. Aussi, alors, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et dans Matthieu 5, 14, il nous a regardé. Il a pointé du doigt. Vous êtes la lumière du monde. Vous allez parler à Mokini. Et l'eau est où tu ténèbres. Ce qui vient de ténèbres. Et qui domine te. Ne peut pas te dominer. Voilà pourquoi on doit connaître notre position en Christ. Alléluia. Amen. Verset 6. Verset 7. Verset 7. Ouais. Il en tombera mille à ton côté. Oyoki. Encore. Il en tombera mille à ton côté. Encore, papa. Il en tombera mille à ton côté. Encore, papa. Il en tombera mille à ton côté. Uh-huh. Et 10,000 à ta droite. Oh. Il en tombera mille à ton côté et 10,000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est ce que ton Dieu te dit maintenant. Écoute la voix de Dieu. Tu ne seras pas atteint. Yoka liloba ya nzambe na yo okosimba mate na makambo ya mabewana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe ayebike makambo oyo nyonso ekosalema. Dieu savait que toutes ces choses arrivent. Toutes ces choses ont été écrites. Et comment m'a nyonso servir. Bona kozala. En tant que référence. Ndaki sa pona biso. À ces derniers temps. Na ntango ya suka. Bien-aimé. Olingami. Je suis ici. Nzambe ya. Booster ta foi. Bona kopeli sa kondima na yo. Parce que ma Bible m'a dit. Bona nzambe lobi nanga. C'est ici la victoire qui vaincra la mort. Notre foi. Notre foi. Notre foi. Selon 1 Jean chapitre 5, verset 4. Alors, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux tout le monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde. Savoir notre foi. J'aimerais prier pour toi. Si tu veux, si ta foi te pousse, ta main sur mon main à l'écran. Mais si ma boko nange tu peux imposer ça sur ton front, ta tête, partout tu te sens mal. Et je t'assure. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il te guérit maintenant. Au nom de Jésus. Papa n'a télémi selon ordre divin. Père, je me tiens selon ton ordre divin. Tu m'as donné l'ordre. Que celui que j'ai béni est béni ce matin. Je prie pour tous ceux qui nous suivent. En Europe, en Asie, en Canada, en Chine, en Afrique, en Congo. Partout où nous tuer. Nassambele nguya zambe et traverser écran wana. Je prie que la puissance de Dieu. Écoute la yo nzoto. Et que ça te bénisse. Na pameli maladie yo. Je bénis tout. Na pameli fléau yo. Tout fait. Et la quelle ami ma bien avina yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na maudire encore na kombo la Yesu. Je le maudis au nom de Jésus. Et il est écrit. Et comme ami, nous serons pas atteints. Donc aussi et na sakoli likolo na bino. Je prophétise. Mille à gauche. 10,000 à toi. Mais tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus. Je vous bénisse. Par la puissance de Jésus Christ de Nazareth. Et n'a déclaré. Vous êtes épanoui. Tous ces fléaux épidémiques diaboliques et sataniques. Au nom de Jésus. J'engage le sang de Jésus Christ qui a été versé à la croix pour nos protections. Maculawana est battu. Et comme ça, il est intouchable. Et comme ça, il est invisible. À ce moment, au nom de Jésus. Dès qu'ils ont été épanouis, merci, mon Dieu, mon roi. Il a posé sa main.
n'a déclaré au Bikisa. Je déclare tu es na guéri. Au Bikisa. Je dis tu es guéri. Jésus-Christ t'a guéri. Yes, au nom de Jésus. Na komo na merci mon Dieu mon roi. Benga biso na téléphone. Appel pour partager na biso. Témoignage na yo. Pour partager ton témoignage. Et toko sepe la mingi voice par WhatsApp. Comme ça tu lances un mot kilibayoka. Au pesi numéro na yo, au pesi combo na yo. Tu vas coco benga yo ba vérifier. Nous avons rien avec ça. Amen. Jésus est réel et Jésus est vivant. Amen. Ciao. À la prochaine. Mercredi, nous serons encore live. Na 10h. Ça l'a branché et connecté partout aux alliés. Que Dieu vous bénisse. Samba pambo la bino. Petela Yesu maboko makasi. Bonjour peuple de Dieu. Comme l'on a maman Lydie, na fandi na France. Nanga passa na so passa témoignage nanga parce que nous avons visité ngai. Oyo tozomona papa pesi thème yane miracle extraordinaire. Yango nga na vivre. Alo papa soloba asote alobi miracle extraordinaire, alo asoloba ordinaire na extraordinaire c'est deux choses différentes. Yango nga na vie frango na semaine dernière na vie frango Nzambe a visité nga na manière où ezali extraordinaire. Vendredi erna je dir na uti musala la bande ko kama ba combattre. Vendredi tokangi misala parce que na travaille kana bana tokangi musala na ye na ndako na bande ko yoka ba combattre. Na joki ta ya kotala ya kolanda matea te vu que nazaki na musala. Après matea a rekoti na bandi kota la matea oyo ya vendredi 13 papa ezaki tema etitilé croire à son serviteur. Na landiango na landiango en tout cas na joki beaucoup de choses na matea wana. Vendredi na butu na komi koyoka kosu yeninga ye. Et pourtant, la manière que tout c'était, mais kosu yelinga vraiment brisque et ezalaki vraiment fort. Na kosoli ki nase ata pendant 30 minutes. Elle na kati fièvre sa linga. Fièvre moko vraiment nga na moto na ko ko bela mais na sala na imite sou na sala fièvre peut-être tam sou na zaki bébé. Na yoko sur thermomètre, na tali fièvre zaki 40. Naiko benga l'un des na bengi non papa na suite naiko benga l'un des fils des prophètes abondeli pananga lobi maman de na bondeli lio benga sikoyo Samu donc ambulance voilà naiko benga Samu baibisenga madame non osanango mais fanda landa kokobimate. Vananda koko bimate sala kaka attention na bana et tout mais soko moni et continuer au bengi biso na yoko benga na jumu to mususu ba bilanga non madame to sotin to so solola na na docteur na biso awa et bongo to zo rappel ba yoko rappelenga na otin de la bino même message o ezali preuve na benga ki ambulance ba tin de la kingai ba yoko rappelenga baibisenga non madame tikala kana ndoko solo na médecin eza coronavirus mais tikala kana ndako sokomuni e s'aggraver au bengi biso na se 2 heures après au milieu de la nuit pema e bandi ko kende e bandi ko kanga mana ko kasu ko pema te na bengi papa na su papa te na zomi sou na fils de prophète wana abondele po na ngai abondele po na ngai mandenga bande ko kende na iko benga na songi suna benga Samu po ba ya ko swangai ba ye ba ke ba consulter ngabi non madame to moni ke pe meso kende mais awa to na place to so swa ba tute to so swa ka ba to so ki arrêt cardiaque et salier so ko moni arrêt cardiaque et salio o bengi ngabi mais na sanga moko na bana comment expliquer so arrêt cardiaque et salinga na ko ko benga ba bi langa tika ka téléphone allumé parce que to so swa ba tute. J'étais choquée. Maïe le sila kenga. Nasongi. Nasongi nandako ba yoko tikanga. Et après, na
milieu de la nuit, entre 3h et 6h. Pemekei. Et non, ba pemekei. Na so sala babilo komoko. So mouta so koko pe maten na so tia. Même ba voisin na nga ba so kana likolo. Mais na moment o yo mouto nyo sou nanda kou na koko ko kita te poye ba so banga za la kontamine. Na so meka ko tape pa ba voisin. Mais mouta so sala geste c'était pourtant toza so ko tape na mur a yo ki o mona répondre pe a beti ou a ye. Mais depuis que coronavirus est côté, même aux gens qui ont été vraiment, je suis en train de prier, je suis en train de au fond de mon cœur. Je suis en train de casser, je suis en train de pomper. Je suis en train de dire non, non, madame, moi, je suis en train de dire non, 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 restez chez vous, madame, vous nous dérangez pour rien et tout. Je suis en train de dire que je suis en train de mais. Téléphone. Je pense entre une ou deux minutes, mon téléphone a sonné. La traite du matin, c'était papa. Papa d'ailleurs ambassadeur de Christ. L'homme établi à Benginga, bandeko er na zo soit téléphone. Na zo pensé dans quelques secondes, na pensé la matin à papa ou à lobby, ce que au quoi na tioté, maille quoi arrivé pas inauté. Et ce qu'on croit que notre serviteur n'a été, c'est mieux aucun des parce que ce qu'on fait du wana bénédiction et qu'on partage santé. Vraiment, je crois à son serviteur. Na mon papa d'ailleurs, mais na se connecta na oezali nguya oyo nzamba takati na ye. Et yango, je suis sûr et certain, la négateur qui biso et alubi que non. Ce que la foi ata ya tio le boko eloko moko o sala merte na sala ki vraiment la foi et puis na sala ki connecté na l'homme établi na suis téléphone na tena litoyi papa le bi oui na na bi kalo papa na zo kanga ma pralo bi na yo ka ki message mama ko lo bate na yo ka ki message na yo voice outinda ki me moyen na zo luka na zo benga yo zo swate lo na momo papa bade ko benga nga nga na zo monate en nga na ko benga ye ya ou asa disponibilité bande ko papa pondelinga il était en colère sainte colère ya saint esprit a pondelinga bande pondelinga je sentais déjà la guérison la expliquer albi nga soit maye ko te azo ba nga soit maye soit nini nga déjà si na bongisa ibiloko nga na saki déjà na ba nini ba l'huile d'onction na saki na jus na somba ki ndeti pa na ndeti vitalo ya monene na somba na saki déjà na gâteau papa bondelili era bondela bilanga yo na bana bomela lokola ki sezate oyo eza kisi oyo biso to trouve tant que bala nzambe melaka ki emelaka le sana bana melaka na zui e ka papa silisi na zui na melange ngo na mai na komo pesa bana na ke na pesa bana na tongo na midi na poko na toso sukolango mais na bosa ni koloba papa a silisi ko bondela nga bandeko même pas une minute pe mananga ezongi normal pe mananga ezongi normal et nga mona lobby non papa batema pe azo pesa eza yete eza saint esprit te zo révélé parce que Nathalie un miracle extraordinaire yane na ikota la donc na nga moko na lobby non na s'attache encore plus na nzambe ya Dayo Samuel franchement na yeba kike lobby ko ezali sur abondelinga mais je m'attendais pas aussi ezala tout de suite donc nzamba visité nga na ntile ya papa tout de suite et mutali boso guérison za ki liboso pananga et après na journée wana ti pokwa ko sukola bana nini na moni ba fièvre kiti et le lendemain Samuel et yoko benganga balbi non na suite téléphone babi nga non toi na besoin madame Nyanze et tout j'ai dit ben c'est bien moi babi non madame moi benga kibiso elle avait problème de respiration on voulait savoir si elle va bien est-ce qu'elle a fait l'arrêt cardiaque j'ai dit pour baya kozwe nga bi non madame c'est bien moi na sali arrêt cardiaque te pe ma est arrêté parce que mon Dieu m'a visité moi ça moi c'est qui akatenga téléphone vraiment bande konanga conseil na zo pesa na bala nzambe papa le bito bangate et c'est vrai
Pema mutezo boma biso parce que papa mutezo boma biso parce que papa abondele nga. Après ayo ko pesa nga conseil attend que papa zo pesa conseil na mwana. Abi mama ko sa na perte. Sa na ba che Seigneur tu ba seigne bino. Melaka boku ma ya moto. Melaka bo nga mo na komo melama ya moto. E na komo sa na ba che se o ba seigne biso. E na ye komo na loboko ansambi likolo na nga. Mais avant bilo ko ya révélé nga na sala ki baisse ya prière pendant une semaine. Na solo ka la voix de Dieu qui me disait elo koni no so cela est arrivé le pou osonga na vie de prière consistant. Malgré j'attendais ça, j'avais des fatigues de travail, des fatigues avec les enfants. Mais erre ko arrivé nga na lobi j'étais déjà prévenu nzamba bandeki déjà ko parler na nga na songe la vie de prière consistant. Yango na ekoloba merci to sa ne sika malam papa nzamba pambola yo pambola yo sukoleka umela pona biso ya se ya solo penda oza Congo oza Congo boy vraiment oza mwana ya Congo lo yo penda papa oza otelemisi mbonge oyo mo oyo eya il konanga tout de suite papa si ko os bongela pona nga mbonge wana e arrêté. Yango na kumi sinzambe nanga na lobi merci beaucoup peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Betela Yesu maboko makasi. Tikana prophétiser na ville. Bista balinga bazo kufa ko kufa te. Eloko epomi tata na yo ko poma yote. Eloko epomi mama ko poma yote. Ya ye. Lesu e shakreche. Botiru. Basa kwa. Que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle et tu commences à spiritualiser ta vie, tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bat la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable, na commission bino invisible, na yoko kotsa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya tenye wana.